Changement de possession. Ouais, passe complètement manqué. C'est cadeau. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Oh non, c'est pas croyable. Oh, c'était presque terminé. Et il marque contre son camp. Ouais, c'est bien lui qui marque contre son camp. Ouais, elles sont implacables ces images, Hervé. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est 2-3-2. Oh, le but contre son camp au pire moment. Ah, elle vaut cher cette erreur. Hein. C'est vraiment rageant, marquer contre son camp comme ça. Bon, ça fait jamais plaisir de marquer contre son camp. Mais à ce moment du match, c'est encore pire, je crois. Égalité parfaite donc à la fin de cette prolongation. Et place à la séance de tir au but dans un instant. Le premier tireur qui se retrouve face au gardien. Un pénalty transformé. Et puis ça rentre ici. Un péno bien tiré, quoi. Pénalty transformé avec succès. Ouais, un péno bien tiré, il s'est appliqué, ça passe tranquillou. Ouais, c'est dedans, sans trembler. Hein. À aucun moment il a douté. Et ça rentre, parfaitement tiré. Ouais, serein le gars. Et bien tiré ce pénalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Oh, magnifique, le gardien qui repousse ce ballon, magnifique. Ah ouais, très bel arrêt, c'est impeccable. Mais ce ballon, oh, qui rentre, bien que le gardien l'ait touché légèrement. Oula, j'ai cru que ça allait pas rentrer, là. S'il ne marque pas, c'est terminé. Et c'est réussi. Il est bien frappé, c'est un pénalty marqué, donc il est bien frappé. Tir au but décisif, surtout ne pas craquer. C'est fini, il remporte la victoire avec ce dernier tir au but. Il n'a pas craqué, il ne s'est pas posé de questions, c'est parfait. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci.